un parking quasiment complet et un guichet qui ne désemplit jamais. Après 2 semaines de fonctionnement seulement, le TCSP séduit une clientèle nouvelle, des automobilistes prêts à troquer leur voiture contre la promesse d'un transport de qualité. On a chacun notre véhicule, donc on a juste déposé le véhicule aujourd'hui et on fait une promenade. Pour descendre à Fort-de-France avec la voiture, c'est déjà pas évident. Parking et compagnie, alors vu qu'on habite au gros monde, on va ici, on laisse la voiture au Lamantin et puis cool. Il est temps que ça arrive parce que bon, vous savez, tous les jours, les embouteillages, vraiment, c'est pas évident. Voilà, donc une voiture qui chauffe tout le temps, et des problèmes qu'on peut avoir. Il fait chaud lorsqu'on remonte, donc comme ça on est tranquille, nos stress. J'ai payé 5,50 € pour aller retour et ma voiture est restée sous le parking. Et voilà, et ma voiture pouvait rester toute la journée si c'était possible. Le service propose un ticket à 3,20 € aller-retour, comprenant le prix du parking. Chaque pôle d'échange en est doté pour permettre le stationnement des automobilistes venus du sud et du nord Atlantique. Et la formule séduit. S'il fallait payer en plus un parking, il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient venus pour payer le parking, puis payer la place de TCSP. Donc non, c'est une bonne idée. Mais certaines habitudes ont la dent dure. Alors les plus attachés à leur véhicule n'hésitent pas, comme le TCSP lui-même à l'époque, à faire des phases de test. Votre voiture est garée où là ? Sur le bas-côté. Je ne savais pas quel prix ça allait me coûter. Donc voilà, maintenant que je sais, et que même avec la voiture garée sur le parking, de Fort-de-France à Ducos, je suis gagnant. D'ici une semaine, les embouteillages de la rentrée pourraient bien en convaincre d'autres. Si je vois que ça va se passer bien, je m'engage, mais si je vois que c'est un galop, je... Bon canal. Et puis le soir. Bien. Attention donc au faux départ.